Yo les gens, salut à tous, salam alaikum mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est pas forcément aussi facile pour moi à faire et surtout à faire montrer parce que ce que vous allez voir dans quelques instants, bah c'est pas forcément beau à voir. Je voulais tout simplement vous faire partager un peu l'état de mon ventre, etc. parce que en fait, comme vous le savez tous, aujourd'hui ça a été mon dernier jour de bouffe de gros porc et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment je suis maintenant aujourd'hui et comment je serai dans les jours à venir. J'ai d'armes et j'en suis conscient parce que je réalise ce que j'ai fait, c'était voulu de ma part. Je me suis accordé trop de choses, je me suis accordé de l'excès comme jamais, comme pas possible, est-ce que je dis ou pas? Et franchement, c'est limite j'en sature quoi. Limite j'en sature et ça me pèse au plus profond de moi. Je me dis au plus profond de moi, je pourrais tellement être bien, je pourrais tellement être plus propre, c'est le terme, hein. Plus propre en termes, déjà, je sais pas, déjà, l'hygiène, la tronche, tu vois, la tronche, tu vois, je vous donne un exemple typique pour que vous puissiez comprendre. Je suis quelqu'un, et pourtant, Dieu seul sait que enfin, j'ai le temps, tu vois, je vais pas prendre forcément le temps de prendre soin de moi. Enfin, un exemple typique, regardez, hop, je suis apprasé. Pourtant, tu vois, je devrais. Oh. Désolé, j'ai un petit cheveu. Je suis apprasé. Question vestiment. Tout va bien sur YouTube, etc. Je pourrais faire des choses bien pour moi, tu vois. Mais je m'en donne pas forcément aussi les moyens, d'accord? Du sens où je ressens une flemme. C'est-à-dire, je me dis, putain, je vais aller dans un magasin, il y aura pas forcément des vêtements à ma taille, tu vois ce que je veux dire? Ou même quand il y aura des vêtements à ma taille, et ben quand je vais les mettre, ben, ça va pas m'aller, tu vois ce que je veux dire? Ça me va pas, tu sais, quand t'as une certaine forme, surtout moi là, ça te va. Enfin, moi, ça me va pas du tout, est-ce que je veux dire ou pas? Et par rapport à ça, je suis complexé. Parce qu'il y a des habits qui me plaisent d'armes dans des marques, dans des jolis magasins, etc. Ça me plaît, j'ai envie de les mettre. Il me dit non, c'est des tailles uniques. Malheureusement, tu peux pas les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Regardez, non, mais regardez, mais vraiment, je vous le cache pas, regardez bien. Bon, là, vous me voyez bien, tac, je cache rien, je vous le promets, d'accord? Tac, je me lève. Hop là. Donc là, c'est moi. Hop. Bon, j'ai des petits bras, d'accord? Mon ventre. Et voilà. Bon, il y a pire, hein. Il y a vraiment pire, mais voilà mon ventre. Hop là. C'est mon ventre. Je dois perdre ça. Je dois perdre vraiment ce truc-là, là. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que je vais me donner à fond. C'est pas gravissime, hein. Enfin, je veux dire, mon ventre, il est pas. Attends, je vais le gonfler. Et voilà. Et je relâche. Tu vois? Mais voilà. À quoi ressemble mon ventre? Et ça, on va essayer de le perdre très très très, très rapidement. Puis voilà. C'est vrai qu'en fait, ce qui donne la forme gros, c'est mon t-shirt. Mais ce coach, ce ventre, j'ai vraiment envie de le perdre, d'armes. Mais pas qu'un peu. Hein. Je flippe, enfin, c'est pas une question que j'ai peur, c'est une question là, à partir de demain, je vais me donner une séance de sport. Mais comme pas possible, ça sera 7 jours sur 7. Mon corps va subir aucun repos. En gros, j'ai tout le mois d'octobre là. J'ai tout le mois d'octobre, sa mère, pour en perdre un max. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va être quelque chose de difficile. Mais j'y crois, j'y crois. J'y crois, on verra ce que ça va donner. Va falloir ça que j'arrête, par exemple. Un exemple. Comme je sais que c'est le dernier jour. Le Coca ou le Pepsi, appelez ça comme vous voulez. J'en ressens d'armes un besoin. Mais vraiment. Si je bois pas le Pepsi, je deviens nerveux. Enfin bref, voilà. J'ai vraiment hâte de me découvrir. J'ai vraiment hâte de découvrir un nouveau visage demain. Vraiment. J'ai vraiment hâte de découvrir un nouveau visage. J'ai vraiment hâte de découvrir un nouveau physique. J'ai vraiment hâte de me découvrir vestimentaire, façon vestiment. En gros, pour faire simple, j'ai vraiment envie que vous me découvriez autrement. D'accord? Et puis voilà. Faut pas que si de votre côté vous vous sentez coupable de quelque chose. Du genre, ouais, excuse-nous si on te va. Non, non, il n'y a pas d'excuse, hein, vraiment. Au contraire, moi, ça me fait plaisir, moi. Moi, tu sais, par exemple, quand je marque un truc, on me traite de sale gros porc, je vous jure, au contraire, ça me donne le sourire et ça me donne justement envie de me battre, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui est. Je suis pas touché par l'obésité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, t'as vu mon ventre, t'as dit, putain, mais c'est quoi ce ventre-là, là? Limite, il a pas de ventre. Mais tu vois, ce ventre fait que je rentre pas dans mes pantalons, bordel. Je rentre pas dans mes pantalons, que ça, et ça me saoule. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et ça explique pourquoi aussi, quelque part, pourquoi vous me voyez aussi souvent en jogging, blablabli, blablabla, tu vois. Forcément aussi pour cacher un peu ses formes, pourquoi des t-shirts larges, etc., etc. C'est vraiment pour cacher un peu ses formes, un peu qui sont un peu. Enfin voilà, enfin. C'est vraiment pour cacher. Voilà, en gros, pour cacher la misère. Et. On va se battre, on va se battre, on va se donner à fond. On a cette chance de pouvoir être inscrit dans une jolie salle de sport qui s'appelle le Ken Club. Et on va pouvoir faire des bonnes choses, etc. Faire des bonnes séances de sport. On va pouvoir s'épanouir dans cette salle de sport. On va pouvoir se faire du bien, se décontracter. En plus, en sachant que c'est aussi une salle de bien-être, etc., etc. Donc, on va vraiment prendre soin de soi. Et on a le pouvoir, on a tout ce qu'il faut. En fait, on a tout ce qu'il faut. Le oh, allô? Ouais, tiens, attends, juste passe un petit coucou. Dis Zabari! Zbobby! Voilà, c'était le bouseau au téléphone. Bah vas-y, j'arrive là. Ah, t'es avec qui là? Bah je suis tout seul. Ah, je t'attends là, viens sur Discord. À tout de suite, ma poule. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, et puis voilà, et on a tout pour être bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas malheureux en termes d'argent, enfin, tout le baratin. Mais voilà, c'est maintenant, c'est à moi de m'en donner la peine. Et voilà. Je me suis pesé, si vous voulez savoir, je fais 120 kilos. J'ai menti, j'ai beaucoup menti, et puis en fait, souvent dans mes lives, on me dit, ouais, tu fais combien de kilos? Tu fais combien de kilos? Et moi, toujours, je dis, ouais, 112, 113, j'ai pas repris, tu vois. Alors, non, j'ai repris mes kilos que j'avais perdus. Et je les ai repris très rapidement. Oh, putain, mon Dieu. Mais enfin, voilà. Je tenais à vous dire ça, je tenais à vous faire partager tout ça, et puis voilà. On va se donner à fond, vraiment. On va vraiment se donner à fond. Je vous laisse sur cette fin, les Rey, Albert, contre la Falloscom. Je serai en live actuellement. Si vous voulez venir me rejoindre, me porter un soutien, c'est pas un problème. Gros boussa. Je vous kiffe, mes gros bébés. Ciao, ciao.